Marius Guilbeault ne réussit pas à franchir la ligne d'arrivée avant ce coureur au maillot rouge. Il s'agit de Justin Coron. Il est le champion de Normandie. Il est du vélo club Bocage Vire. Marius termine deuxième donc et la troisième place sur le podium pour Axel Bouquet. Il est de Moyon-Percy Vélo Club. Bravo gamin. Bravo Justin, super. Bien mon cher. Bravo. Bravo ça peut nous. J'ai commencé à 12 ans. J'ai commencé au club de Perrier Cyclisme et je me suis engagé l'année dernière auprès du VCB parce qu'on a monté une équipe junior. J'ai pas voulu prendre les commandes de la course trop rapidement parce que le circuit était assez roulant et ils étaient trois du même club et je me doutais un peu qu'ils allaient me donner du fil à retordre. Donc je me suis préservé et lors des trois derniers tours, je me suis mis devant, j'ai imposé mon rythme et je savais que dans le sable, j'étais mieux au niveau de la course à pied. Donc j'ai réussi à m'extirper dans le sable et après j'avais plus qu'à assurer jusqu'à la ligne d'arrivée. Ouais, je fais de la route. L'année dernière, j'ai pas fait une grosse saison parce que j'ai eu pas mal de problèmes. Mais là, cette année, j'espère qu'on va faire une bonne saison de route. Bah oui, forcément. Après, c'est encore il y a un bon petit mois, donc il y a encore de la préparation avant d'y être. Pour l'instant, je monte en puissance. Après, là, on va faire des bonnes semaines pour se préparer, donc on va bien voir ce que ça donnera. Marius, je suis forcément déçu quand on a envie de gagner. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cassé ma cale à la tournée, donc c'était tout le temps, pendant toute la course, obligé de forcer pour caler. Donc à chaque fois, à chaque relance, j'étais plus là parce qu'il fallait que je rechausse. Et puis impossible de rechausser dans le sable, donc j'ai perdu énormément de temps. Puis la course s'est fait là, donc voilà. D'accord, tu sentais que t'avais les jambes, mais... Oui, aujourd'hui c'était les jambes de la gagne. Je comprends pourquoi, t'es un peu énervé. Surtout, c'est à cause de la mécanique, quoi, à cause d'un problème technique, donc... D'accord. Alors vaut mieux que ça t'arrive là que dans un mois. Puis bagnole, c'est à 5 minutes de la maison, donc voilà. Et puis le meilleur est à venir. Vaut mieux que tu te casses ta pédale ici qu'au championnat de France. Oui, c'est sûr. Si tu as la même jambe au championnat de France. Ok. Allez, félicitations quand même sur le podium. Voilà, un sprint. J'ai trop compris.
Ça va, c'est été. Dans le premier tour, j'ai eu un peu du mal à distancer Marion Lunel. Et après, ça a été. Christelle Dubosc, le jeune Amni Aventure, 15e. Entre le moyen. La partie du fond roulante et le sable. Et les acteurs sur la ligne au départ sont Espoir, Senior et Master. Bien entendu, départ rapide comme à chaque fois au cyclocross pour prendre le premier virage en tête et bien se placer. Souvent, ça conditionne la suite de la course. Les acteurs majeurs sur la scène du théâtre de ce circuit sur la base de loisirs de Brionne sont Tropardi, Gilles et Bido. D'ailleurs, ce seront les acteurs sur la scène du théâtre du podium. Mais dans quel ordre, c'est ce qu'on va voir. De Joris Le Président du Poste, installé à la 5e place. Voilà pour l'instant donc une interrogante de l'épreuve. Il est remarquable la compétition de la part des différents concurrents. Voilà Ludovic Bido en 2e position. Une poignée de secondes. Et on attend Arthur Tropardi. Là voilà donc le coureur de Monoclore. A-t-il en attend maintenant? Le voilà, Ludovic Bido, installé en tête. Cyprien Gilles à 3-4 mètres à l'entame du dernier tour. Les deux hommes ensemble à le championnat est parfaitement disputé. Tropardi a été éliminé de la course à la victoire suite à une crevaison qui lui a. Et voilà, c'est l'arrivée donc de ce championnat de Normandie, victoire au scratch de Cyprien Gilles de Torigny. Par conséquent, il devient le champion de Normandie. Donc voilà, c'est l'arrivée, c'est la fin.
Donc Bido termine deuxième et Arthur Tropardi troisième. Sur le championnat de la région de Normandie avec nos amis les élus et de la ville de Brionne. Voilà, il n'y a pas d'écart, donc les deux hommes sont classés. Alors, quand même, la chance est une arrivée au sprint à laquelle on a assisté. Et voilà, que Tropardi, que l'on a perçoit là-bas, il a brillé dans les couleurs roses. Champion de Normandie, il a gagné à la Coupe de Normandie. Et aujourd'hui, eh bien, il va terminer cette épreuve sous nos applaudissements. Des moments difficiles qu'il a traversé, qu'il traverse dans des problèmes de santé. Le champion de Normandie en tête, Ardindre, va chercher méritoire le troisième. Je souhaite que tu dis bienvenue, hein, parce que extraordinaire ta course. Je comprends ta déception, mais nous on ne l'est pas. Bravo Arthur, parce que malgré des pépins de santé, si je tombe pas le tour d'avant là au premier tour, je remets 20 mètres à chaque fois. Ah oui, je sais, je sais. Garde, Arthur, il est avec toi, il traîne. Arthur, on retrouve bien sûr pour la mise en place de tout à l'heure, de toutes les présences de l'arrivée, de tous les groupes, bien sûr, pour les titres également. Du côté donc des félicitations. Ah, ça goûte en fait, c'est. Ouais, franchement, rien à dire. C'est chez moi quoi. J'habite à 20 minutes du circuit. Bagnole, c'est un circuit qui me tient à cœur. J'aime bien le circuit, c'est l'objectif majeur de la saison quoi. C'est peut-être l'objectif de ma carrière. On va dire, ça sera peut-être la seule fois de ma carrière que je vais avoir un championnat de France à la maison. Donc on va le préparer. Là, je vais me reposer un peu cette semaine. Et on va rembrayer. Dès jeudi, on va remettre l'intensité du fond pour préparer les France le mieux possible. Ouais, malheureusement, j'ai eu une crevaison au plus mauvais endroit, juste là derrière, après le passage de la zone technique. Donc j'ai dû faire toute une demi-boucle crevée. Donc forcément, à partir de là, la course était perdue sur ce circuit-là. C'était compliqué. Quoi. Alors avec des scies, on fait ce qu'on veut. Hein, mais non, là aujourd'hui, je pense que troisième, il faut de la réussite aussi pour pouvoir gagner des courses. Aujourd'hui, j'avais pas la réussite. Donc on va se contenter de cette place-là et on reviendra l'année prochaine pour espérer mieux. Oui, championnat de France en Normandie, ce sera l'idéal. Donc oui, j'y participerai. Là, c'est un objectif majeur. Il y en avait deux objectifs, c'était celui-là et le championnat de France. Donc maintenant, il va falloir préparer le deuxième objectif. Ok, merci. Le Joris Le Poitevin du poste deuxième et Nozoué à la troisième place. Eh bien, il la tient bien, sa bouteille. Ah oui, il ne va pas la lâcher. Hein. Là, on sent que c'est Noël, il a déjà l'habitude de recevoir les cadeaux. Hein. Et maintenant, les remises de maillot. Donc avec M. Delamarre, adjoint donc, à l'intercom de Bernay, qui remet le maillot donc, de champion de Normandie, donc, Yannick Bouteillé. Avec nous également, donc, on voit M. Valérie Beriot, donc M. le maire de Brionne. Et également donc, Jean-François Revel, donc, bien sûr, qui remet les médailles donc, à ses champions lors du fer. Bravo Yannick. Vous êtes toujours là? Alors on les applaudit, on y va? Voilà, bravo donc à nos masters. Maillot de champion de Normandie porte les couleurs de l'Estorigny, Cyprien Gilles, champion de Normandie. Voilà le podium et les récompenses. Voilà donc avec M. Valéry Beriot, donc M. le maire de Brionne, qui remet à Cyprien Gilles donc le maillot donc de champion de Normandie et qui va recevoir donc la médaille des mains donc de M. Delamarre, donc adjoint donc à l'intercom donc de Bernay pour cette remise des récompenses avec Cyprien Gilles, l'un des meilleurs coureurs français, on l'a vu à la Coupe de France, 10e également aujourd'hui, champion de Normandie donc à Brionne. Sur centaine, aujourd'hui un grand bravo à toutes et à tous. Bravo également, évidemment, pour cette journée pleine d'émotions qui était le souvenir Anthony Revel. Et évidemment, on a beaucoup pensé à lui. Jean-François a déplacé les montagnes pour organiser ici à Brionne. Ça a été une formidable aventure humaine. Cyprien, magnifique. Quelle élégance! Avec le maillot aux deux léopards, il n'y a rien de tel pour booster un coureur que de recevoir le maillot à un mois des championnats de France. Après, c'est sûr, c'est cool à un mois des championnats de France. En plus, c'est à la maison.
Il me reste un mois de préparation, on va relâcher un peu cette semaine, on va partir une semaine en Belgique. Tout va bien se goupiller, puis on verra bien, on va pas se mettre de pression. L'objectif, il n'y en a pas, c'est d'arriver et de faire une course sans faute, que ça soit bien physiquement, mentalement, techniquement. Et puis je pense que je peux faire un très beau résultat au vu de ce que j'ai fait la semaine dernière à Troyes. La semaine dernière, j'aurais pu faire de gros résultats, mais ça ne l'a pas fait. J'espère que ça le fera à Bagnoles. Voilà, alors aujourd'hui, une belle bagarre avec Ludovic Bidot. Alors, vous vous êtes repoussé un petit peu comme deux boxeurs qui se rendaient coup pour coup, et ça nous a donné une course magnifique. Est-ce qu'à un moment, tu as eu un doute? Tu t'es dit, est-ce que je vais l'avoir ou pas? Non, faut pas douter dans ces moments-là. C'est dans la tête le plus dur, et c'est le premier qui lâche qui a perdu. Donc aujourd'hui, j'ai pas lâché et c'était un beau spectacle pour les spectateurs et tout. C'est cool pour les organisations. En plus, il y avait du public, donc c'est cool.